de Rudy 3113 présente. Eh bien, salut tout le monde, c'est Rudy 3113 aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Rudy Hardcore. N'oubliez pas, c'est une aventure en ultra hardcore. On ne régénère pas sa vie comme vous le voyez avec le melon. Là, j'ai ma vie à fond. Et ma bouffe à fond. Ma vie ne remonte pas. C'est le ultra hardcore. On se retrouve pour l'épisode 6 de ultra hardcore. Donc, rappelez-vous, dans le dernier épisode, j'étais parti in the nether pour pouvoir aller chercher des nether warts. Et des blaze rods également. Et j'étais parti pour faire une première potion de vie. Ça va nous faire extrêmement plaisir, vous allez voir ça. Et puis on va encore aller dans le nether, aller chercher des blaze rods tout simplement. Puis ce serait sympa aussi qu'on puisse... j'ai oublié les nether wart. Voilà, ce serait sympa aussi qu'on puisse faire, comment ça s'appelle, de la fire résistance avec ça. Et d'ailleurs, regardez, j'avais pas capté que j'avais ça. Donc on va utiliser ça tout de suite. La gather aussi, on va l'utiliser également. N'oubliez pas qu'on a un objectif exprès pour les potions, donc faudra y penser. On a beaucoup d'armure pour les chevaux, ce serait sympa aussi qu'on puisse... oula, j'ai eu un lag de... qu'on puisse pouvoir en apprivoiser. Donc là on a des Hogward Potions. Donc maintenant le nouveau craft du melon doré. Franchement je trouve que c'est de l'arnaque. Melon doré, voilà, Glistering Melon avec 8 pépites d'or au lieu d'une. Je trouve ça un petit peu cheaté, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, c'est la vie. Donc je vais poser aussi la glowstone, je vais juste en garder une pour le lol. Puis je vais aussi récolter ce sable pour pouvoir le faire cuire et faire mes potions de résistance au feu. Donc une fois qu'on a ça, on met la glowstone dust. Et oui, je me fais en potion, pourquoi je dis hard moi? Parce qu'on est en hardcore bien sûr. Est-ce qu'on est en hard? Oui, on est toujours en hard. J'ai pas oublié ça. Encore un Enderman. Je vais rapido me le faire. Alors j'ai mon tunnel exprès à Enderman. Le bloc je vais le ramasser parce que ça me fait pas très plaisir. Hop. Tu viens là le ghast. Enfin le... l'Enderman, pardon. Bon, tu viens ou pas? Je pense que je vais venir le... Oh, 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 il est pas content, il est pas content. Frappe le Enderman! Frappe, frappe! Yeah, Enderpearl encore une fois. Eh bien, franchement, on est chanceux. Il y a plein d'Enderman qui pop aux côtés du portail du Nether. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Et dans cette petite caverne aussi, dans plein de petites cavernes, il y a des Enderman qui spawnent. Donc une fois qu'on a ça, déjà je vais récupérer mon verre et en faire des bouteilles. Hop, hop, je récupère ça. Et attention, on va boire notre première potion de vie. Alors attendez, on va mettre ça. Attention. Ah, c'est jouissif. Oui, je sais, je suis très fou, mais en tout cas, ça me fait vachement plaisir de, en ultra hardcore, notre première potion de vie. Ça c'est vraiment cool. Donc pour optimiser, je l'ai fait en deux. Ça c'est vraiment cool. Ça c'est cool. Donc on a des Hogward Potions. Je vais prendre de la redstone pour allonger l'effet. Hop. La redstone elle se trouve ici. Hop, ma petite redstone.
Et pareil pour le Nether, tout simplement. Pareil pour le donjon. On va les farmer, on va les taper quelques blazes et également quelques wither squelettes si on peut. Faire tout ça, tout ça. Et puis voilà. Donc ça, c'est vraiment sympathique. Hop. Allez. Encore quelques-unes et on est bon. Le Nether Quartz, je vais le stocker dans ce coffre là. Non, dans le coffre du Nether. Dans le coffre du Nether, les champignons, la selle, les os. Enfin, je mets un peu de tout ou n'importe quoi. Hein. Fire résistance. Ok, ben parfait. C'est parfait tout ça. Donc on les stocke ici. J'ai mon arc, mes flèches. Je vais juste poser l'épée. La canne à sucre. Il y a ces slimes là qui me font chier, je sais pas où ils sont. Oh putain, tu m'as fait peur toi. Où sont les slimes? Oh putain, mais d'où ils sortent? Oh, comme je te viole, comme je t'ai violé. Oh. Alors, je mets ma canne à sucre ici. Mon fil aussi, important le fil. Bon, ben on est paré, on y va. Let's go to the Nether. Hop. Je prends mon épée en bon état. Hop, le petit Nether. Alors, par où est le donjon déjà? Je crois qu'il est... Oh, les lags de merde. Les lags de merde. Ah oui, notre magnifique flèche qui l'indique. Hop. Parfait. Donc on va aller dans le Nether pour farmer tous ces petites blazes de mer là. Comme ça on va pouvoir faire plein de popos de force. Ça va peut-être nous aider pour les objectifs. Je les ai pas trop sur moi les objectifs. Ce serait pas mal pour les zombies pigmen, notamment. Donc c'est plutôt pas mal. Hop. Dirigeons-nous vers notre Nether forteresse. Hop. Ah oui, il y a ma vieille colonne merdique là. Oui, c'était pour ramasser l'alarme de Ghast. Bon, c'est la colonne de l'alarme de Ghast, hein. Faut pas lui en vouloir. Alors, notre prochain pilier, il se trouve ici. Hop. Yep. Voilà. Dans la Soul Sand, c'est pas très pratique. Hop. Et puis en zombie pigman, hein, les bébés zombies comptent aussi. C'est pas des... On peut tuer n'importe quel zombie pigman, qu'il soit enchanté ou pas. Les bébés comptent aussi, puisque c'en est, ils sont beaucoup plus agressifs vu qu'ils sont plus rapides. Je sais pas s'ils sont plus forts. Je pense pas qu'ils soient plus forts, je pense qu'ils sont aussi forts que leurs parents, les petits. Donc ça, normalement, il devrait pas y avoir trop de problèmes sur ça. Voilà. Hop, allez, le donjon, je le vois. On s'y dirige en sautillant. Hop, in the Nether. Voilà, donc on va aller chercher notre donjon à Blaze. Enfin, notre spawner à Blaze. Je sais pas s'il y en a un d'ailleurs. Je ne sais point. Alors, oh putain, déjà un ghast. Alors lui, ce serait bien qu'il nous loot quelque chose. Genre une arme de ghast ou quelque chose comme ça. Oh. Bon alors attendez, je crois que... Il est peureux un peu le ghast là. Et si on allait le buter avec notre arc? Oh putain, presque. Tu me fais gaspiller mes flèches. Bon bref, c'est pas grave, on va pas insister, il est beaucoup trop loin. Des blazes là-bas. Oh, vous les ghasts, le ghast, tu vas pas m'embêter longtemps. Hein? Oh putain, d'abord je vais prendre ma fire résistance. Ça va être déjà être beaucoup mieux.
Voilà. Parfait. Et regardez ça. Ce sont des magma cubes. Oh putain, ils me font mal, les petits cons. Alors, est-ce que il y avait un spawner à Blaze par là? Là, je suis chaud pour fighter là. Oh oui, un spawner ici. Et là aussi, un petit spawner, donc il y aura des blazes. Hop. Allez, popez les blazes. Voilà, c'est bien. Voilà. Parfait. C'est vraiment pratique, hein. C'est vraiment avantageant la poudre de. Oh, des wither squelettes. On va s'en faire un. Rapido. Allez, viens. Viens que je te shoote. Oh, mais tu passes pas! Il passe pas, le petit coco! Oh putain, faut que je fasse attention en faisant ça. Voilà. Tu m'as rien loot. Quel radin! Quel radin, ce squelette! Et ici, on a des blazes, encore une fois. Les blazes, ils font mal hein, quand on les touche, donc faut faire attention. Hop, donc je vais bouffer une petite melone. Hop. Je vais tabasser le squelette qu'il y a là-bas. Il va me rendre des flèches. Les flèches que j'ai gaspillées en tuant le ghast. Voilà, parfait. Et vous, les blazes, vous popez ici? Et il faut bien quand même pour que je puisse avoir vos. Oh fuck. Il est où? Il est là-bas. Il est là-bas, le petit couillon. Que fait-il là-bas? Oh. A blaze. Un petit blazouné. Allez. Fight-toi avec moi si t'es un homme. Par contre, je vais éviter de faire ça. Bon, hein, on va pas insister. S'il veut pas venir, c'est que c'est une tapette. Hein. Faut quand même faire attention, faut quand même garder la tension. Parce que nous sommes toujours en ultra hardcore, nous ne sommes pas en normal. Donc juste, je veux prendre des blocs pour aller voir ce ghast, si je peux. Hop. Il est là-bas. On va la voir. Est-ce qu'on peut la voir? Est-ce que vous croyez qu'on peut la voir? Oui, sans problème. Et une larme de ghast. Une deuxième larme de ghast. Il nous en faut au moins 3. Au moins 2. Donc déjà on en a 2. Ouais, là normalement l'objectif est validé vu qu'on en a 2. Mais bon. Normalement on devrait les utiliser très récemment, enfin très prochainement pour faire des popos de régène. Hop. Hop. Oh putain, ils font mal les cons. Les potions de vie numéro 2, enfin numéro 2, non mais les potions de vie 2, régènent 4 coeurs. Donc il est temps d'en boire une. C'est parfait, c'est optimal. On est bon, on est bon. Donc je prends une nouvelle épée. Hop. Ce qui est bien avec les blazes, c'est qu'on peut rapidement monter en niveau. Donc ça, c'est vraiment cool. Je ne sais pas si mon armure prend des dégâts si je me fais enflammer alors que je suis en résistance au feu. Je ne pense pas vu qu'elle ne me protège pas vu que je perds pas de dégâts. Faudra que je teste. En solo, faudra que je teste. Si je me fais. Bon ben, on a déjà 8 blaze rods. Il nous en faudrait un peu plus si jamais on veut aller dans l'Ender. Si jamais on veut faire plein de popos de force. Si jamais, encore une fois, on veut faire des popos de résistance au feu. Mais bon, à part ça, ça devrait pas trop poser souci. Le Wither Squelette, tu viens et évite de me frapper, ce serait sympa. Voilà, un petit peu de charbon.
Ok, bon ben je sais pas si on va revenir, je ne pense pas, on va juste aller frapper quelques blazes en plus. Allez. Voilà. Plus ça nous fait monter en niveau. Par contre, je vais bientôt être en rade au niveau bouffe. Ça, c'est petit problématique. Donc, oh, un blaze ici. Que fait-il ici? Voilà. Oh, j'avais pas vu ce coffre, je crois. Alors, déjà, vous mourrez. Et non, j'avais pas vu ce coffre. Puis j'espère que je me suis pas paumé au niveau de la forteresse. Parce que là, il y a des coffres. Ah non, c'est des coffres que j'avais déjà vus. Faut faire attention dans ces couloirs, il y a souvent des wither squelettes. Très souvent. Donc faut être quand même be careful. Hop. Alors je crois que c'est par là hein, qu'on est arrivé, qu'on avait vu notre. Oui, c'est ici. Hop, on va rentrer à la maison. On a 8 blaze rods. J'entends un squelette. Oh, c'est un squelette normal en fait. Vous allez voir, je vais me le faire. Il va rien comprendre à sa vie. Allez, meurs saleté. Voilà. Merci pour les os. Bon allez, on se casse. Je ne sais pas où c'est par contre la sortie. Ah oui, c'était par là où on était arrivé. Là, c'est un peu vertigineux. Ouais, on a presque plus de fire résistance, donc pas la peine de rester plus longtemps. Je crois qu'on était arrivé par. Oh, regardez, il y a un Wither Squelette et un Blaze là-bas. Je vais me faire ces deux mobs. Hop. Allez. On va profiter de notre dernière popo, enfin notre dernière minute de fire résistance pour tuer le Blaze, ce qui est déjà fait. Ok, bon ben, je propose qu'on se casse, moi. Hop, regardez, on a notre glowstone en bas. Hop. Hop, allez. Repartons à la maison. Hop, là je sais pas ce qu'on va faire par contre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme objectif qui nous serait quand même facile à accomplir étant donné qu'il nous reste quelques minutes. On se casse, on se casse. Alors je ne sais absolument pas ce qu'on va faire, donc je vais prendre ma feuille de. Ah merde, j'ai plus de bouffe, faut que je bouffe. Alors, essayer d'aller tuer. Générateur de cobble automatisé. On peut faire ça, je sais pas par contre, je sais pas où on va le faire par contre. Je pense qu'on va le faire. Je sais même pas où est-ce qu'on va le faire, vous voyez. On peut commencer à faire les popos. Après, moi, c'est ce que je propose. On peut commencer à faire les popos et faire des potions de régénération aussi. Première popo de régène. On va les stocker dans un coffre vu qu'il faut faire tous les popos. Hop. Voilà. Donc on va faire Swiftness. Est-ce qu'on a des champignons marrons? Je viens d'y penser là. Je ne crois pas qu'on en a. Si on pouvait en choper par ici, ce serait sympa. Oui, il y en a en bas, mais bon, on va pas y aller. Parce que là, c'est être un peu suicidaire. Est-ce qu'il y a des champignons marrons par ici? Il y en a par là-bas. On va voir si on peut les récupérer. Hop. Champignons marrons.
Venez à moi. Hop. Parfait. Quelques champignons marrons. Ça c'est important pour parce que il me semble que ça marche pas avec les champignons rouges, les popos de, enfin les yeux d'araignée fermentés. Je crois que ça marche pas avec. Oh putain, regardez le magma cube. Regardez comment il se la pète là. On va le frapper sa race. Même des petits. Alors toi tu vas pas me frapper, ok. Ok. Oh, des magma cream. Ouais, plein de magma cream, ça c'est bon. Aïe. Vous faites mal. Salaud. Hop. Alors, par où est notre... D'accord, non, c'est plus loin. J'ai confondu. Hop, et maintenant on va faire des popos de vitesse, des popos de lenteur, on va faire à la fois des popos de string. On va tout faire. Hop, est-ce que c'est là au moins? Non, c'est pas là. C'est par ici. Oui, il y a notre fabuleuse flèche. La flèche de la mort qui tue. Hop. Revenons à la maison avec nos 20 niveaux. Hop. Oh, cette chauve-souris m'a fait horriblement peur. Alors, j'espère que j'aurai pas ces bruits de slime. Eh oui, regardez, ils sont toujours là, les petits slimes. Je ne sais pas où est-ce qu'ils se cachent. Ils sont sûrement au-dessus. Non, même pas. D'accord. Ils sont vachement intelligents, ces slimes. Bon, ben, alors attendez, on va faire chaque chose en son temps. On va prendre ça. On va en faire des... comment ça s'appelle? Oui, avec de la Nether Wart. Ici. Hop. On va faire des popos de swiftness. Oh, on va faire la popo de swiftness et la popo de lenteur. Tout simplement. Donc on va prendre notre sucre, on va prendre notre, on va faire notre popo de vitesse. Après on va se laisser pour un prochain épisode. Regardez, on a les deux larmes de ghast. Donc l'objectif des deux larmes de ghast est validé. Donc l'œil d'araignée aussi, il va nous falloir du sucre également. Hop, le sugar. Juste enlever ça, comme ça on va pouvoir faire une popo de rapidité, une popo de lenteur. Donc pour ça je vais préparer l'œil d'araignée fermenté avec le sucre, l'œil d'araignée et le mushroom. Ça vous apprend des choses en plus, hein. Voilà. Swiftness et œil d'araignée fermenté. Donc je vais faire un nouveau coffre pour les potions, encore une fois. Que je vais mettre dans ma base que j'avais creusée un petit peu à l'arrache. Un petit peu à l'arrache. Voilà, parfait. Donc on va mettre potion de speed, potion de fire résistance. Ça, c'est les potions qu'on touche pas. Les potions qui sont pour l'objectif. Hop. Et ben voilà, potion of lowness. Parfait. Et à la fin de la série, on va toutes les boire. Vous allez voir, ça va être marrant. Donc on a déjà trois potions. Il va falloir faire les potions de poison, les potions de faiblesse, potions de force, potions d'invisibilité, potions de zombies qui m'attaquent aussi. N'importe quoi. Absolument n'importe quoi. Donc j'espère que vous avez aimé cet épisode, les amis. D'ici là, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez. Bye bye tout le monde.